Dans le dernier jour, il y a pile d'informations qui ont circulé sur qui côté l'amour sans jour caché col. Puisque il y a un paquet de soldats dans la base 400 Marozo qui ont plagué pied, qui ont quitté la base, qui ont sauvé avec ZAM pour aller dans l'autre localité, pour aller dans l'autre département. Tantôt, ou tande la mort sans jour, li sou route chot pour rentrer République Dominicaine. Tantôt, ou tande la police repousse la refuge l'an mi balè. Tantôt, ou tande la mort sans jour nan fond parisien. Tantôt, ou tande la mort sans jour, li replie l'an basi nan kwa de bouke nan 10 000 so. A pile moun a posé question pour yon koné qui côté réellement la mort sans jour. Yé nan moment sa, parce que ti magali lage de yel, yap cheche l'tan kou chien fou. Eh bien, rete là, on parle de tout détail, de toute information. OEA, organisation État américain qui gagne en tête le secrétaire général Luis Almagro, annonce une grosse décision là. Bagay tête chargée net. Et finalement, on va comprendre que projet plan États-Unis, plan OEA, plan Nations Unies te gagne pour Haïti, n'est pas concrétisé. Et bagay ça a commencé à faire un pile parler en pile puisque déjà. 3 mois de cela, t'es gagné les bruits qui t'a couru et dans le couloir de la primature. T'es gagné un pile politicien. T'es gagné, monsieur, dame, société civile qui t'a mis tête dehors, qui t'a pris un micro la presse. Nous t'es même joint des groupes dans l'organisation Défense Droit Mounio qui t'es gagné à râler par ces ministres à mettre sous votre pied comme quoi. Yo campé en face toute intervention militaire qui t'a gagné en Haïti que Negro t'a programmé pour Haïti. Eh bien, fois ça. Tout bagay décide, projet nègyo concrétisé, rete la ou pral kon tout détail, ou toute information pour kon ki décision yo pran nan moment a parler à la. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue. Ou sous TAC 609, sous Haïtien Connecté, ou nan émission Mon Éditorial avec Yannick. Jodi an se vendredi, week-end nan commencé, n'importe jou sa, m'a profité surtout yon bon week-end. Veye kote wap mette pi ou pas sorti, sou pas besoin parce que Haïti en piégé. Donc c'est mettre quoi qui pour veiller quoi. M'pa oublier projet moi gagné pour rentrer des classes et projet c'est pas projet moi c'est projet nous c'est ensemble pour projet à réaliser. Année a objectif là c'est river voyer 150 timoun l'école nan supporter on acheter et uniforme acheter fourniture classique pour yo nan bayo livre nan bayo valise pour yo rentrer l'école. Projet al pa ka réaliser, pa ka concrétiser si pa gagne support, si pa gagne contribution là dans li. Avec $100 US ou ka supporter, ou ka parer ni yon ti moun ou même qui veut supporter plus ou ka supporter ou même qui veut contribuer nan bay quelques matériel, nan bay cahier, nan bay plume, nan bay crayon, ndou bienvenue et déjà m'a profité remercier chaque grain ami qui répond positif, qui dit Yannick mettez présent pour yo. Chaque grain ami qui déjà commencé supporter initiative ça, on grand merci à vous-même ça qu'arrivé ou pas qu'à supporter un petit monde mais n'importe gens ça est bah petit pas chiche contribution extrêmement important. Gagné déjà 2 l'école qui répondent présent pour supporter programme là, on l'école dans commune Croix des Bouquets, on l'autre l'école dans Gonaïve dans zone Raboto qui dispose 5 bourses complet, 5 bourses complet côté petit monde là, il ca apprendre musique, il ca apprendre chant, il ca apprendre informatique. Donc pas négliger. Ou même qui dans commune, ou même qui dans Gonaïve, qui dans zone Raboto ou même qui dans commune Croix des Bouquets, contactez-moi dans numéro émission 3896 3819 si au besoin information. Déjà là, préparez vous, nous pral parler pays, nous pral faire des bam, porter information pour vous et bagay tête chargée net ou pral saisir. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Déjà là, on va commencer avec dossier OEA. Dossier secrétaire général OEA, qui c'est Luis Almagro, qui lui-même est favorable à concrétiser le projet OEA pour envoyer une intervention militaire musclée en Haïti. Donc, son situation là qui a fait un pile parler en pile parce que en pile haïtien pas attendu à ça. Et non, moment côté ouais que gain fort qui a fait en deux de l'institution PNH, même tu as toujours dit nous ça. Sorti qui t'est fait 8 août passé à
dans secrétariat général OEA à côté Louis Almagro, li mette communiqué le dehors, li partager responsabilité qui gagne entre autorité haïtienne yo, entre moun k'ap diriger nous yo, entre moun ki nan tête institution yo avec communauté internationale là, comme quoi échec Haïti c'est pas seulement politicien nous yo k'ap tété mamel bèf là, échec Haïti c'est pas seulement nèg sa yo ki nan tête l'état qui a occupé institution yo k'ap fè corruption, k'ap détourner l'argent et programme développement pays, mais li te reconnaître que communauté internationale là yo complice, yo coupable dans échec Haïti, yo coupable dans gangsterisation paysan, yo coupable dans prolifération gang armé en dedans paysan, etc. Mais derrière tout aveu ça, derrière tout prétexte de bonne foi nous wè nèg yo t'ap prend au niveau même communauté internationale là, parce que qui dit OEA dit communauté internationale, gen un ensemble de pays qui n'a encore groupe jodi en Haïti qui gen pied au sou kou Haïti, qui a pris décision pour Haïti, qui a téléguidé acteurs yo côté yo, c'est même pays qui n'a OEA, c'est même pays qui n'a Conseil et Sécurité Nations Unies, c'est même pays ça jodi qui fait partie de communauté internationale là qui bat nous résultat nous gagne aujourd'hui. Mais côté bagala t'a pas fini dégénéré, c'est le Louis Almagro le film était communiqué le dehors, mais ça pas suffit pour lui, ça pas suffit pour le montrer que l'a déshabillé Haïti, l'a déshabillé autorité, l'a déshabillé haïtien, l'a mettez nous tout ni pour tout monde en bas nous. Il aller plus loin parce que il t'a gagné une entrevue avec Miami Herald. Louis Almagro pral déclarer que il favorable pour gagner retour casque bleu en Haïti et il favorable tout pour gagner une nouvelle constitution pour pays. En nous sérieux, parler de nouvelle constitution avant tout, nous pas oublier président Jovenel Moïse avant qu'il ait été assassiné, il t'a gagné projet nouvelle constitution pour Haïti, une constitution qui t'a pral refléter des changements, une constitution qui t'a pral refléter évolution sociale yo, une constitution qui t'a pral adapter avec évolution internationale, évolution mondiale. Qui ça nous t'a remarqué? Nous remarqué même MINU, même corps groupe, même OEA, même communauté internationale là, yo t'a dit non. Jovenel Moïse décision prend là pour une nouvelle constitution en Haïti. Nous-mêmes nous pas dans bateau. Green by green, yo te kouri, yo kite bateau, yo dou Jovenel Moïse, se constitution pa la fè. Au lieu, yo te privilégié pour différents acteurs, yo te chita bon table, pour yo te font négociation, pour yo te entendre, yo, pour yo te vin avec des propositions qui pou te gen dans nouvelle constitution, yo te préféré dou, c'est une constitution champouelle, c'est une constitution qui pa reflète intérêt, etc., etc. Alors, cette constitution, même le te gen de bagay la dan, nou te ka toujours fè débat sou li. Même le te gen point la dan, te gen tête nan constitution, te gen des chapitres nan constitution qui te ka toujours sujet à débat. Mais l'idée pour te doter Haïti d'une nouvelle constitution, c'est ça tout le monde t'attend. Une constitution qui tape inclusive pour diaspora, côté que diaspora tape gen tout droit plein et entier, côté que pas tape gen distinction entre haïtien d'origine avec haïtien qui vit dans diaspora, etc. Côté que tout haïtien tape style haïtien, tape toujours haïtien, petit pays, hein, sans que jodi an, pour vin poser candidature, question de 5 ans de résidence en Haïti de manière continue, il te ka toujours. Ou te ka toujours passé un temps de résidence en Haïti, mais est-ce qu'elle t'a obligé 5 ans, etc. Donc, te ka toujours gè des réformes, gè des passés, mais qui fait. Jodi, communauté internationale l'a vini sous table, yo dou, fok Haïti gon nouvelle constitution. Communauté internationale l'a, OEA, yo dou, et problème qui gè en Haïti, en crise qui gè en Haïti, là, son crise haïtienne. Faut qu'Haïtien chita bon tableau pour résoudre li ensemble, pour faire des négociations, mais pas oublier, yo pas qu'à mettre communauté internationale là dehors. Mais comment on va expliquer tête aujourd'hui, même groupe moun sa yo qui parti pour un avec problème qui gen dedans pays, qui crée tout problème, tout conflit sa yo, c'est yo même qui a vinn dou mais qui ça vous fait. Même le dou pour Haïtien chita bon tableau ensemble pour nous négocier, pour nous chercher des terrains d'entente, pour nous chercher des solutions avec problème nous gen là, c'est pas genre vrai. C'est façade. C'est maniguette, c'est bluff. Parce que les blagues sont de l'autre côté, ils ont idée toute tête et toute fête dans la tête. Louis Almagro a idée toute fête dans la tête pour Haïti doter de une nouvelle constitution. Mais imaginons, les petits pays qui prennent décision pour une nouvelle constitution, ils ont été dou, non, ce n'est pas possible. Parce que l'idée doit venir de eux-mêmes. Le projet doit venir de eux-mêmes.
Et si on prend le gain dans la Constitution, quand c'est même yo même qui choisit élaborer yo seulement baoul yo dou mais al proposer nation et après ça l'o fin proposer nation al font référendum et puis fait égaré yo approuver le fait égaré yo adhérer mais c'est ça l'idée jodi a faut qu'on comprenne bien si projet a si programme nan c'est pas OEA si programme nan c'est pas Nations Unies si programme nan c'est pas États-Unis qui prend rien pas fait pour Haïti et pas oublier me toujours tout ça. Tout échec nous prend avec président, toute contestation gagne dans question élection. Chaque monde qui a l'élection tendez soit au doux élection gain fraude parce que communauté internationale a toujours voyé des observateurs. OEA a toujours voyé des observateurs en Haïti à chaque élection gagne. Pour venir regarder est-ce que l'entache de fraude, est-ce que il y a irrégularité, est-ce que élection doit reprendre, est-ce que élection est mal faite, etc. Et puis au final le pour CEP sorti résultat après le temps de gain appel qui pral passer secrétariat général gain appel qui pral passer États-Unis etc. Gros diplomate pral relé pral dou soit falsifié soit changé soit voyé deuxième tour etc. À tous les coups tout ça qui a pris comme décision en Haïti soit venir politique pays il y a toujours l'international là-dedans. OK. Nous pral comprendre qui ça Louis Almagro dit en bon créole. Secrétaire général OEA, Luis Almagro, lui interrogé par Miami Herald. Il dit que il est favorable pour un retour des casques bleus et d'une nouvelle constitution en Haïti. C'est une dans ligne d'action qu'il envisage très sérieusement. Dans ce moment-là, c'est préoccupation première. C'est plus grosse préoccupation OEA gagné. Non seulement en termes de sécurité pour Haïti, il faut gagner en mission. Faut bon bagaille qui dur bagaille qui tough et c'est ça qui fait à parlo de intervention musclée pour Haïti. C'est pas en question on va venir voyer et formateur dedans PNH. Dal dou pi ba là on va voir toute information yo parce que pi ba li descend pour dire que oui c'est vrai et gain moyen technique que PNH reçoit ouais, mais ça pas suffit pour résoudre problème insécurité hein, pour résoudre problème criminalité qui gain en Haïti hein. Et puis là elle continue pour le dou li beaucoup plus difficile jodi an la que le ministre te la parce que yo réalisé ministre te allé de façon prématurée après 15 ans ministre fait en Haïti ministre allé Luis Almagro dou que ministre allé de façon prématurée et jodi an la situation à vivre en Haïti li plus difficile et li plus préoccupante gen paquet question k'a posé gen paquet effort k'a fait pour établir sécurité en Haïti si ministre t'es là bagay yo pa t'ap empirer comme ça bagay yo pa t'ap difficile comme ça bon question m'a posé est-ce que réellement si ministre t'es là est-ce que insécurité nous gen là niveau criminalité grand banditisme nous gen là nous pa t'ap gagner et est-ce que le ministre t'es là est-ce que niveau insécurité en Haïti, il était plus bas que ça. Est-ce que pas de gagner tout grand banditisme ça? Est-ce que pas de gagner toute violence ça qui a fait en Haïti? Question à poser, réponse n'a pas cherché. Et puis, il y allait, il dit que, Luis Almagro continue pour le dire, il est ouvert. Si il y a une proposition qui a fait, il est ouvert parce que préoccupation, c'est assurer sécurité en Haïti. Mais, il doit dire que, ça y a vu aujourd'hui, là, il est difficile. Mais en termes de logistique qui gagne et qui a fait des réquisitions matérielles pour PNH et il a fait des procédures également pour regarder dans qui façon et yo ka accompagner institution la police. On va parler de l'armée d'Haïti parce que tu as clair sur ça noir sur blanc que les États-Unis qui campent de manière publique ou pas soutenir l'armée d'Haïti ou pas contre l'armée d'Haïti que ça veut dire l'armée Jovenel Moïse. Et pas l'armée, et l'armée mante l'ilte, après ça, Jovenel vin continue, fait continuité, l'armée Jovenel lié, la Haïti pa gen l'armée, yon pa reconnaître que Haïti gen l'armée. Yon continue, et puis, quand on va lancer bluff lié net, c'est le, Luis Almagro pral dit que, li critique États-Unis avec un paquet de l'autre pays, qui te poussé yon mette fin avec mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. Ça nous était relé MINUSTA à l'époque. Li fait qu'on est que c'est États-Unis avec un paquet d'autres pays qui t'a poussé, qui t'a metté bâton derrière et président Jovenel Moïse, qui t'a metté bâton derrière gouvernement haïtien pour yo te demander retrait troupes en Haïti. Mais en sérieux. Décision qui t'a prend pour MINUSTA
te vin fè bazi, vin en Haïti, vin aide rétablir sécurité avec la paix en Haïti, yo te voté, yo te prend résolution non Conseil Sécurité Nations Unies. Ou pral comprendre le Louis Almagro d'aujourd'hui là, c'est États-Unis comme chef de file avec un paquet de pays qui t'a poussé pour yo retirer ministre en Haïti. Question pour poser était tout, qui intérêt États-Unis te gagné pour demander retrait ministre alors que jodi un ministre aller pour eux la police yo reconnaît que PNH pas gen épaule pour faire face avec insécurité qui t'a commencé hein? Jusqu'à présent PNH pas gen épaule pour continuer faire face avec insécurité avec grand banditisme avec exact terroriste qui fait en dedans pays hein? Et puis jodi on parle ouais c'est même États-Unis ça même États-Unis ça qui campe cap donc Haïti gon situation de violence permanente, de violence constante là-dedans, et que Biden préoccupé par problème paysan, administration Biden n'a préoccupé par problème paysan, mais li difficile situation haïtien tellement compliquée, yo poko wè ki kote yap mayen, yo poko wè nan ki bo yap touche malign pour yo aider nous pour tes solutions. Mais c'est même yo même qui contribue largement avec problème nous gen la dans la société. C'est vrai, le ministre te là, te gen un ensemble d'accusations qui te pesé sous le ministre. Pas oublié question choléra, pas oublié viol collectif qui qu'on a fait sous jeune femme avec jeune petit garçon nous en dedans pays. Qui est-ce qu'on a fait li? C'est soldats qui étaient dans différents bataillons, qui étaient dans différents troupes qui t'a fait li. Jodi an là, ministre à les zam ap sorti États-Unis, Haïti tout n'est pas soit trafic zam nan li fait assez facilement, li fait très facilement même. États-Unis pas jamais décidé aider vraiment pour contrôler question zam trafic zam k'ap fait k'ap sot la k'ap li rentre en Haïti. Au contraire, yo gagne des obligations, yo gagne des exigences y a fait avec police nationale d'Haïti, yo gagne des exigences y a fait avec gouvernement haïtien nan question contrôle zam. Ça yo qui est rentré en Haïti. Zam zot la ka yo rentré en Haïti pour vinn touye petit peuple mais c'est même gouvernement américain, c'est même dirigeant américain yo qui a fait des exigences avec PNH, avec l'État haïtien. Mais comment pour yo gérer zam sa yo? Mais comment pour yo contrôler zam sa yo, etc., etc. Donc est-ce que là vraiment nous pas vivre en situation côté que ou a regarder, c'est comme si you n'a dénoncé l'autre. You n'a dénoncé l'autre. Même j'en vois une division de la SDP, SDP Nenel Kassi, SDP Majorie Michel avec André Michel. C'est même gens ou senti ou ali même li nan bo pa la fait dénonciation générale que l'te États-Unis, que l'te Nations Unies, ONU, que l'te corps groupe, que l'te madame la lim nan tête binu. Gen des dénonciations que Louis Almagro a fait. Mais Louis Almagro, ça pas empêché que toute dénonciation la fait yo moi même pas prendre au sérieux pour qui ça parce que c'est même groupe moun yo c'est comme on dit bagarre là c'est on 6 cap dit 9 garde comme un cochon c'est ça lié son 6 cap dit 9 garde comme un cochon tête en bas etc. parce que c'est du pareil au même c'est toujours même nèg ça qui prend des décisions politiques c'est toujours nèg ça en pile fois nous fait expérience ça avec Matéli dans élection que tu fait yo. C'est même yo même qui t'a proposé Matéli dans tête pays comme président de la République. Alors que Matéli pas gagné ni qualité ni titre rien. Nous pas oublier même le Matéli était à l'inscrit. Même le était ouvert au registre électoral pour Matéli était à l'inscrit comme président comme candidat à la présidence, Matéli était inscrit, t'a gagné irrégularité, t'a gagné fraude. Parce que au moment Matéli t'a inscrit, il t'a gagné carte de résidence étranger la mel donc comprenez bien si nèg yo pas nan complot pour mettre Haïti côté lien là si nèg yo pas nan complot pour mettre insécurité pour favoriser grand bandit jodi là pour n'a parler de l'amour sans jour pour parler de ISO pour parler de Tilapli pour parler de coalition G9 qui est-ce qui fait qui est-ce créé qui est-ce qui bail au jarrette parce que c'est même yo même qui parle la médaille Haïti. C'est même yo même le l'armée d'Haïti, le gouvernement haïtien fait réquisition matériel pour l'armée d'Haïti, soit yo remettre sur comme blanc. Ou bien petit coulier yo choisi qui matériel y a voyé par PNH pour soit dans des dons etc. Donc je dis faut que nous comprenions bien. Louis Almagro il pas dans intérêt peuple haïtien, il pas dans intérêt Haïti. Même gens gagne un paquet de résolution qu'a prend
dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Même l'on attendait en pile fois, haïtien toujours favorable pour la Russie, pour la Chine, leur fait abstention, etc. Mais après ça, c'est eux-mêmes qui prennent le vote à l'unanimité. Fait expérience avec Madame Alim. Jodi haïtien suspend quoi la Russie car une font bagaille pour vous, la Chine car une font bagaille pour vous, on couper fâché avec États-Unis, on va joindre pays ça non. Vérité en c'est qui s'allie. Le nègre choisit tout pays Haïti, yo fait à l'unanimité. Renouvellement de Madame Alim dans tête binu en Haïti pour un an encore à l'unanimité au vote. Yo tout qui vote dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pas en question la Chine te fait abstention, c'est pas en question la Russie te fait abstention, c'est à l'unanimité tout le monde te levé mais yo te dit oui yo d'accord. Donc jodi an la, en nous conscient que toute décision que nèg sa yo a prend sous prétexte yo a prend pour changer condition vie moun, sous prétexte yo a prend pour améliorer condition vie moun, ou la situation la vie empirer, sinon que jodi an, ou regarder Haïti en proie de la violence. Le yo abordé Louis Almago sous virus violence. Li estime que faut que li rappelle que président Jovenel Moïse li victime de virus violence qui était sur le point de prendre le contrôle d'Haïti. Avait dit yo reconnaît pendant tout mandat et président Jovenel Moïse t'es une violence intense qui t'a fait en Haïti. Yo même reconnaît que président Jovenel Moïse li victime de violence ça qui t'est en Haïti. Mais en nous sérieux. Oui, il y a une violence sous Jovenel Moïse. Mais violence, en tant que président de la République, Jovenel a une part de responsabilité pour stopper la violence, pour éradiquer, pour endiguer la violence. Qu'est-ce qu'il a fait? Je dis, comprenez bien. À force que pas de contrôle dans l'institution, à force que soit Jovenel a fait un groupe de confiance plus par son lot, et puis, il y a quelques institutions, il y a quelques responsabilités que tu as personnellement. Comment tu as dit ça? Il fait partage de responsabilités. Il partage des tâches qui gagnent. Ok? Donc, je dis là, contrôler la sécurité intérieure au pays. Il n'y a pas de petit vagabond dans le ministère de l'Intérieur. C'est eux-mêmes qui ont une responsabilité. Même genre dans la primature, 20 millions, 22 millions de chaque mois pour l'enseignement. Par contre, merde qui j'en fait. Jusqu'à ce que le président Jovenel Moïse te prenne décision pour mettre Annie Campé. Même communauté internationale, là, yo préféré pour l'argent, renseignement, pour le séparer, pour le gagoter, je la fête là. Pour continuer à gagoter, je la fête là. Et moi, toujours une question pendante. Question ça, li adresse directement à l'ancien premier ministre Claude Joseph. Comment te congérer question renseignement? Comment te congérer question 20 millions de gouttes qui sont disponibles chaque mois pour renseignement? Parce que nous pas qu'à oublier, c'est pendant la période li te premier ministre démissionnaire ou pas, li te gagné un port de responsabilité. Hein? Comment renseignement te congérer jusqu'à ce que nègre arrive à assassiner président Jovenel Moïse? Est-ce que son linge on a décidé là, tel ministère a envoyé 2 millions, tel tizan a envoyé 3 millions, etc. Comment ça qu'on gère? Parce que je dis, il faut qu'Haïtien connaît qui ça l'argent taxe, qui ça l'argent impôt, qui sa contribution lui fait pour payer. Parce que si Haïti vraiment, tout pays va fonctionner, c'est l'enseignement qui fait le pays fonctionner. Tout pays où aujourd'hui là qui puissant et après les grandes puissances etc. C'est service de renseignement, c'est service technologique, c'est service secret qui baille résultat. Donc si en Haïti 20 millions, 22 millions, 15 millions à retirer chaque mois dans le budget de l'État pour aller bailler, que ce soit la primature, pour primature diviser, le séparer, le gagoter tout, on connaît. By group nèg qui pas réglé en merde. Nous même qui gè poste de responsabilité yo, faut que nous assumer responsabilité nous. Faut que nous assumer responsabilité nous parce que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et c'est youne bagay en Haïti, nous pas jamais qu'à prendre conscience de yo. Ce n'est jamais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Non. Nèg blanc en Haïti choix ministre, choix premier ministre, choix secrétaire d'état, choix DG, etc. C'est question à acquaintance, c'est question tizanmi, c'est question zanmi taille lié. C'est vrai, il y a un paquet de jeunes qui forment. C'est vrai en dedans administration du cadre. Il y a des monde, il y a des hommes, il y a des femmes qui travaillent dans l'administration publique là, c'est des cadres. Ça va rien de tout ça. Il y a des monde qui forment. Il y a des monde qui forment qui cabaille bon résultat, qui fait bon travail. Mais on est sérieux. Imaginons où son cadre
en dedans ministère affaires étrangères. Et puis jodi an ou gagné yon ministre affaires étrangères et par exemple tant que Jean-Victor Généus. M pa mete en doute et capacité le gagné capacité intellectuelle. Mais on est sérieux. L'on gade qui attitude nèg la gagné comme ministre affaires étrangères. L'on gade comment nèg yo a géré diplomatie haïtienne dans un moment ça. Ou même qui cadre en dedans ministère là, ou même qui prend formation, ou même qui gagne master, ou même qui fait doctorat, ou même qui gagne un niveau d'études avancé, et pour vinn ouais dans tête ministère ça, son nèg qui pas capable résultat, son en bolotio, son viré me débolier. Ou vexé oui. Ou vexé. Et tant donné non important pour poste soit occupé là, parce que sous qui tel, ça qu'arrive on y pour l'autre à bolotio pareil, ou vinn fourer la dalle, ou choisir rester pour continuer servir pays, mais ou faire la contre-cœur parce que nèg sa yo mette majoritairement dans tête ministère yo mette dans direction générale yo pile fois yo pas nan position pour occuper fonction sa yo c'est question tiz ami yo konn bo éclairer ensemble yo konn sniffer cocaïne ensemble yo konn nan corruption ensemble yo konn nan créer ensemble et puis soit dans oh bon là ministre oh wa bon bon wa bon et puis soit dans ya et comme ça choisi poste yo zanmi taille etc. Mais gros paquet jeune cap souffri gros paquet jeune cap souffri là qui gien compétence qui gien aptitude qui gien valeur qui ka travail qui pas gain expérience parce que l'état pas créé conditions pour jeunes travail pas gain recyclage qui fait en dedans institution de l'administration publique yo pas fait li yo pas fait si yo fait nexa qui dans tête ministère qui dans direction générale là depuis 15 ans qui travaille la fait qui statut li pas aucun statut vraiment sinon DG mais DG alors regarder palmarès il pas grand rien d'étonnant pas grand pour oh wow. Oh non pas que bagay sa yo. Ramou nou ap jwenn nan dedans administration publique la ki gagne diplôme, ki gagne licence, ki gagne maîtrise, ki gagne doctorat. Ramou. Donc jodi an, faut que yo fè place pour moun ki compétent. Même gens faut yo utilise l'argent pour renseignement, pour faire service de renseignement marché et c'est service de renseignement qui pral dou les bon coup d'état qu'a préparé, c'est service de renseignement qui pral dou gien complot pour assassiner un président, c'est service de renseignement qui pral dou mais qui côté l'an mort sans jour caché, mais comment yo ka prend ISO, mais comment? Et m'a rappelé nous, jodi an là c'est journée internationale de la jeunesse. C'est moment pour nous réfléchir, c'est moment de réflexion. Qui ça nous voulait pour jeunesse? Qui ça nous voulait faire avec jeunes nous? Est-ce que nous voulons tout pour nous prendre zam, même genre avec nexa, nex bandi qui prend zam, pour nous une jeunesse armée en dedans pays? Hein? Ou bien est-ce que nous voulons pour tout à chercher fuir pays, quitter pays, vendre tout ce que nous avons pour nous prendre bateau, pour nous quitter pays? Qui ça nous voulait faire avec jeunesse? Jeunesse, c'est lui-même qui a venu au pays. Hein? Jeunesse, c'est lui-même qui relève là. Qui ça nous voulait faire avec lui? Et, par contre, si nous remarquons ça, nous avons un collaborateur, moi, Mark and Love Glorgens Guerrier. Son jeune qui est très talentueux, son jeune qui est pas tellement pile. Moi-même, rencontre-moi avec Mark and Love, il est pas tellement. Parce que, vous pouvez comprendre que, il y a un jeune qui croit dans l'éducation toujours, il y a un jeune qui croit. Tout bagaille possible en Haïti, c'est à partir de l'éducation qui paraît pour former tête. Mais qui place l'État fait pour jeunes yo. Qui encadrement l'État paraît pour bay jeunes yo. Il t'a fait avec là espace international là. Vin bay bête, vin former population, vin former auditoire là. Et finalement, ça t'a pas vin attrister, ça t'a pas vin toucher, m'obligé font tu séparer de ma gueule là parce que m'a dou ouais pour la vie a augmenté. Pour la vie a augmenté parce que moi-même m'estime si là avec mes collaborateurs mien si m'a travail me toucher faut qu'il touche tout donc ça me gagne comme salaire là m'estime pour me partager li avec lui et pour l'on vient regarder évaluation pour la vie on vient regarder comment bagaille yo donc finalement m'obligé décider pour me séparer de lui-même c'est à contre-cœur mais m'obligé pour un choix m'obligé pour une décision ou vient regarder des jeunes qui compétents des jeunes qui ka travail des jeunes qui gè potentialité mais société a pays
Et moun sa yo y a poussé, c'est moun sa yo y a mette à part, c'est moun sa yo y a mette à l'école. Parce que yo pas créé environnement pour yo évoluer, yo pas créé possibilité pour yo évoluer. Comme quoi, Haïti yo tellement priorisé, Haïti, Haïtien tellement quoi nan bagay, bamboche, débauche, etc. Nous tellement quoi nan débauche, nous tellement quoi nan plaisir, nous tellement quoi nan voye monte. Donc, jeunes qui forme yo, pas une place pour yo. Jeunes qui forment yo, nous pas tendre yo, jeunes qui forment yo, nous pas encadrer yo. Faut que bagaille ça fini, en vérité faut que fini parce que jodi a Haïti pas grand Haïti qui possible sa éducation. Et m'a dit nous ça honnêtement, si haïtien te bay éducation chance en Haïti, nèg sa yo ka pouvè kòr nan international lan la. Nèg sa yo ki a pouvè kòr ka fè bagaille yo vay ki vay la. Nous gen diplomate ki ka kanpe avec yo, pa wè le, c'est pas fleur m'envoyé pour ancien premier ministre Claude Joseph, mais suivez bien, le Claude Joseph te nan tête diplomatie haïtienne. Non. Au monde des anti diplomatie haïtienne nan bon jan t'ap marché. Bon jan t'ap marché, te gen possibilité pour jeune yo al nan concours, te gen possibilité pour jeune diplomate yo pour yo intégrer diplomatie haïtienne, non, pour yo al faire des stages, pour yo al prendre des formations. Je dis, est-ce qu'on va bailler ça encore? Ouais, bailler ça existe encore? Qui côté? Au contraire, Jean-Victor Généris, qui ça le fait dans la diplomatie haïtienne? Il crée des postes imaginaires. Il crée un poste fictif pour le cabaye, mon job, mon place, etc. Donc, comprenez bien, je dis, éducation doit être priorité. Parce que les gens apprennent avec nous, sous base de bagage, mon formé, sous base de bagage, mon qui apprend la relève en Haïti. Et c'est une des raisons, je dis ça. Et pas, j'oublie l'écrit. Ou quand toujours dormi pauvre, ou levé riche. Par exemple Izo, par exemple Lambo Sanjou, nèg ka fè bagay ki wrong en dedans pays an, on pa kèt nèg ki nan l'état ka fè zak malhonnête, ka fè détournement, ka fè corruption, mais ou pa jam ka dormi sot pou le me savé. Et c'est une des raisons jodi an li extrêmement important pour investir dans l'éducation. Li c'est une des raisons jodi an là pour connait pour comprendre que changement haïtien c'est pas un hasard lié. Changement haïtien, c'est commencer à former génération qui pipiti yo. Former ti moun yo, ti moun sa aujourd'hui an, n'a négligé dans société an. Ti moun sa yo n'a négligé qui pas ka l'école yo. L'état pas prend responsabilité yo. C'est yo même qui avenir pays an. On nèg ka toujours dormi. Pauvre li lever riche, nan mauvais affaire, nan mauvais deal. Mais ou pas ka dormi sot pour lever savé. Yo dou connaissance grand moun nan yon tête limbie. Donc, encourager projet à mettre projet à camper pour nous arriver voyer 150 timoun l'école parce que c'est dans l'éducation, moi c'est dans l'éducation qu'on en croit. Donc encourager travail ça, encourager projet, encourager initiative là, c'est ça qui fait me compter sur participation, me compter sur support avec seulement $100 US aider un timoun rentrer l'école. Contribuer dans l'éducation un timoun ou ka faire pour deux, ka faire pour cinq, autant capable. Donc, ma p'tit support numéro va changer 3896-3819 pour nous collaborer ensemble. Nous qu'on fait déjà, n'a continuer faire parce que nous croyons tout bagay qui doit être fait pour Haïti, pour le possible Haïti, nos expériences dans l'éducation. Maintenant, dossier 400 Marozo, dossier Lambo Sanjou. Qui côté réellement Lambo Sanjou caché? Qui côté réellement Lambo Sanjou? Parce que y a un paquet d'informations qui circulent. Il y a un paquet d'informations tout le monde a bail pour faire sensation, pour créer buzz, pour faire views. Réalité on sait qui ça lié. Jodi an là, gagner au travail la police a fait. Gon travail d'enquête la police a fait. Gon travail de terrain de CPJ a fait. Gon travail de renseignement qu'a fait. Et c'est ça qui est extrêmement important. Chaque moun nous tande ki dou, yo remarqué un groupe soldat 400 Marozo qui débarqué dans Léogane. Qui débarqué dans mon balai, la police saute maré, n'importe 6 membres 400 Marozo, mon bâtiment dans 400 Marozo dans mon balai, gen yon yon arrêté la skaobas. Donc, information ça yon important pour payer PNH. Parce que l'on baye la police, qui ça la police fait? Si yon yon arrivé, yon jouen moun sa yon arrêté yon, gon ensemble de formation yon pral collecter. Ensemble de formation ça yon pral collecter yon, li pral servi dans base de données de CPJ, qui pral permettre yon étendre ça yon gagné comme zone de recherche yon. On m'a 400 Marozo yon arrêté dans mon balai. La gen information pour le bail la police. Qui dernière fois elle était ouais Lambo Sanjou? Qui côté elle était ouais Lambo Sanjou?
qui ça la mensonge ou te projeté fait, etc. Qui pral servi pour yon connaît qui côté yon pral attaquer la mensonge ou. Tant qu'on maintenant, il y a un ensemble de formations qui circulent comme quoi la mensonge ou ta réellement et notre tomazo et gen préparation qui fait, etc. etc. Mais on nous sérieux, on nous honnête avec tête non. Si la police pral font descente, si la police pral aller dans Mirbal, elle pral aller dans Tomazo, on pas quoi PNH pral mettre information ça sur sous Muni et sur Facebook, sur Twitter etc. pour informer population. C'est vrai que ou attendre au dou la police débarqué soit li arrêter l'homme sans jour ou bien l'homme sans jour blessé mortellement. Parce que pas de mesure dans bagay yo, soit remettre zam nan déposer zam nan yo arrêté ou bien ou décider ou camper goumen avec la police et puis soit attendre a ou tomber en babal et la front moye ou tomber en babal et puis c'est fini. Mais jodi an l'oué gon ensemble de formation k'ap circuler sous réseau yo, nous obligé prudent avec yo, nous obligé vigilant avec yo. Parce que même bandi an li ka utiliser astuce, la fait truc li en bas là, la mettre des informations de yo et puis pour le dévier travail la police a fait. Et puis kounye a, imagine o, c'est pis bandi yo, c'est bagay ki sou réseau yo la police a suivi et puis j'en tande a là, li tombe dans piège. Non. C'est ça que fait dans le moment où on a parlé à la dossier 400 Marozo. Son dossier qui est extrêmement sensible. Son dossier qui a traité avec en pile attention en dedans de CPJ. Donc, que directeur de CPJ, il prend responsabilité. Que yo mette l'argent qui est disponible pour renseignement, yo fait travail de renseignement avec livré. Et puis là, ça, pour moun kwa le bouquet, pour la police, pour de CPJ, pour Magali, rive à bout, l'ambassade joue avec gang 400 Marozo. Parce que gang 4, imaginez-vous, est-ce que vous avez 400 maros, vous voulez dire 400 idiots, 400 imbéciles, 400 idiots, 400 tchotchos, ouais, qui pensent qu'ils ont terrorisé toute la population. C'est ça, m'dou, ou pas qu'à dormir sot pour lever ça avec non. N'exayo, yo dormi pauvre, yo lever riche. Nous connaissons le travail, yo fait déjà. Nous connaissons ce qui a fait dans quoi des bouquets. Nous connaissons ce qui a fait sur le malpassant. Nous connaissons tout le monde, c'est détourner comme un marchandise monde. C'est faire kidnapping, c'est faire viol collectif, c'est rentrer kay moun, voler bien moun, voler kay diaspora. C'est ça, yo fait. C'est ça, yo fait. Donc, nous pas pour nous prendre exayo comme modèle. Nous pas pour nous faire propagande pour exayo. Nous pas pour nous faire éloge pour exayo. Au contraire, nous gagnons responsabilité comme citoyens. Collecter information, permettre à ce que information ça arrive dans oreilles autorité, yo arrive joindre autorité qui compétente, qui concerne pas dossier. Et puis pour diriger bandi pour stopper malandré ça yo, parce qu'on société pas qu'a fait seulement de malandré, de voyou. Vous comprenez? Nous gagne voyou, nous gagne malandré dans politique, qui prend décision pour nous, qui occupe des postes en dedans pays hein. Nous gagne dans secteur privé à on frange là son paquet vagabond habillé yo. Et puis ou gon paquet l'autre malandré à terre là qui terrorise en population pas possible. Haïti pas ka fait de malandré seulement. Gen trop moun sérieux, gen trop moun honnête, gen trop moun crédible, gen trop moun qui gen valeur, qui gen moralité en dedans pays yon. Nan diaspora qui vle vin servir pays yo. Et c'est une des raisons je dis là diaspora li extrêmement important. Li important pour impliquer ou. Et d'ailleurs nous wè Luis Almagro, nous wè ces blancs qui mande nouvelle constitution parce que yo connaît. Dans la nouvelle constitution Jovenel t'a proclamé la nouvelle constitution Jovenel t'a projeté faire li wè ki place yo te ba diaspora et jodi an la si diaspora di a impliqué yo dans changement pays si diaspora di il paré pour investir en Haïti li paré pour vin aider gon relève qui fait dans agriculture dans domaine technologique dans domaine industrie en Haïti l'impossible Haïti ka sot kote liye a la nan mizè nan crash nou a la pou nan ale sou voie développement parce que on pa kèt zanmi nan diaspora nan ki domaine yo travay nan domaine industrie yo konnen gen des machines industrielles la pou yo mette pou yo installer la nan 2 3 carotè 4 carotè yo fè transformation yo konnen tout bagay sa yo pou yo investi nan construction yo konnen mais est-ce que États-Unis pral ba yo possibilité est-ce que États-Unis pral ba yo privilège parce que c'est États-Unis ou c'est OEA ou c'est communauté internationale qui décide là pour une nouvelle constitution ou pral ba ou ça yo lè mais c'est pas ça nous voulons pour pays hein comprendre bien bien émission hein? Nous rivé dans bout émission là pour jodi hein m'espérer que ou prend conscience en tant qu'haïtien ou gen part de responsabilité ou en tant qu'haïtien Haïti c'est pays nous tout lié pas pays un petit groupe nèg yo m'te di Haïti
Haïti, c'est pas pour, c'est pas des salines, pas de bail SDP Haïti seulement, pas de bail gang politique Haïti seulement, ni pas de bail PHTK Haïti seulement, comme ça, il dit ça, ni pas de bail Lavalas Haïti tout non. Donc, pas de structure politique, pas de nèg qui fait politique en Haïti, hein, que des salines de bail Tibouté en héritage. Non, Tibouté, ça, c'était nous tous liés. Tibouté, ça, c'est héritage nous tous liés. Donc, il faut que nous parions pour nous gourmer, pour nous changer. Conditionne à vivre là-dedans. Là. Donc, émission arrive dans Boutli, rendez-vous à le casser pour dimanche. Dimanche, dans même l'heure, des micro-présentations. C'est toujours même Yannick, même voix, rien pas changé. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et bien, on agit. Entre désespoir, de machination politique, il est non dit. Mon éditorial, vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sorti lundi pour arriver vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon Éditorial, nous prenons la balle et pays, nous prenons le débat.